Salut Merlin, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Jolat? Donc aujourd'hui, Merlin a choisi quelques vidéos à me montrer. Donc on va débattre un petit peu sur le sujet. Donc moi, c'est vrai que tout ce qui touche au paranormal, je suis vraiment à fond dedans. Et je me suis dit que cette vidéo, je pouvais pas la faire sans la présence de Merlin, justement, qui est aussi à fond dans le paranormal. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Donc lui aussi, il parle beaucoup. Tu parles beaucoup d'ovnis, toi, de paranormal. Bah, tout ce qui touche un peu à l'étrange au final. Exactement, je touche tout ce qui touche à l'étrange, c'est bizarre ce que j'ai dit, mais voilà. Mais vraiment beaucoup plus axé sur les phénomènes ufologiques. L'ufologie, quelque part, on peut dire que c'est du paranormal. Ouais, c'est la soupe aux choux, quoi. Version paranormale, quoi. Il visite une maison à vendre. C'est qu'il s'agit de la maison de Paranormal Activity. Ah ouais, yes, ok, d'accord. C'est vraiment cette baraque qui a été prise pour le film Paranormal Activity? Exactement. Ouais. Alors moi, tu vois, déjà, j'ai du mal un petit peu avec les trucs à l'américaine comme ça. Bon, bah là, déjà, on sait que c'est une mise en scène, hein. Bien C'est sûr, tout à assumé, fait. hein. Mais en fait, Voilà. les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Il n'y a que la dame de l'agence immobilière Ouais. qui est actrice de ça, quoi. Et encore, on sait pas au final, tu vois. Oh con. What the fuck? Tu t'en rends compte, tu visites les trucs et t'as ça qui se passe, hein? Ouais, je m'en rends bien compte. Bah déjà, je vais te dire, je viens devant la maison, je fais « Ah ouais, c'est la maison de Paranormal Activity. » Ok, ça y est, je vous ai grillé. Salut les mecs. À plus. Tu l'as reconnu direct, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tu la reconnais, l'entrée, les escaliers et tout. C'est ça. Ah, moi ça m'arrive, hein. Je pense que instantanément je tombe dans les pommes et je me fais caca dessus en même temps. Mais c'est bien la baraque du film. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est celle-là. bien la baraque du film. En fait, là, c'était pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Ouais, bah franchement, ouais, tu m'as mis dans l'ambiance là. Ouais, Là, on est ouais, ouais. vraiment dans l'excès à l'américaine. Maintenant, je t'invite et je vais t'envoyer une première vidéo. On va passer sur quelque chose d'un peu plus étrange. Ok, un chien qui pisse sur la jante, Voilà, une bagnole. jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Hein. Hop! Ah ouais? Après, moi j'ai envie de te dire, je vais le remettre, tu vois, mais j'ai envie de te dire que pour me surprendre dans le paranormal, tu vois, Ouais. Il en faut quand même, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tout ce que tu vois, il y a quand même beaucoup de fakes dans le paranormal, tu vois. Ah oui, non, mais complètement. Que Alors ce moi, soit j'ai très plus. bien en Amérique, donc en Amérique bien sûr c'est pire, tu vois, mais Ouais, également en ouais. France. Tu sais plus démystifier le vrai du faux à la fin, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'après... Alors moi je dis que c'est pas un fantôme là. Moi pour moi c'est pas un fantôme, c'est pas un enfin je pense pas que ça soit un insecte. Tu vois, moi j'aurais dit un papillon qui passe tellement vite, justement, qu'il est déformé à la caméra. Peut-être bien aussi, peut-être avec la lumière. Voilà, Ouais. dites-nous vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à débattre avec nous. Je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais va y avoir une vidéo totalement différente de celle-ci sur la chaîne de Merlin. Parce qu'on va faire une vidéo ensemble sur le même thème, mais ce sera avec des vidéos différentes. Donc cette fois-ci, ce sera moi qui choisirai des vidéos pour Merlin. Et C'est ça. t'inquiète, je te prévois deux, trois petits trucs aussi, ça risque d'être sympa. Pour expliquer pourquoi je suis fasciné par le monde de l'étrange et tout ça, c'est que dans les années 80, 90, il y avait des émissions à la télé le mardi soir, c'était Mystère et tout Oh ça. putain, et gros, on est de la même époque, hein, je le Eh bien regardais oui, aussi. je sais, bah, c'est pour les plus jeunes, Mystère, putain, c'est comme gros, TMC, comment que Enquête je Paranormale, voilà. flippais là-dessus. Tu te C'est souviens de ça. la musique de Mystère et tout? Comment que s'appelait celui qui présentait ça là? Et Jacques comment il Pradel ou je s'appelait sais plus, non? Ouais, Jacques Pradel, je crois que c'était. Je kiffais, je regardais ça avec ma mère et tout quand j'étais gamin. Ouais, ça me Non, mais foutait les c'est. boules, gros, je dormais plus après ça, C'est moi. ça. Je te jure. Autant, je veux me foutre les boules, je vais regarder un bon film d'horreur ou quoi que ce soit sur le para ou autre. Mais voilà, ça va me foutre les boules quand même. Mais en matière de choses crédibles, tu vois, Ouais. il en faut pour m'impressionner, gros. Hein. C'est pas, tu vas me montrer une vidéo, il y a des chaises qui volent et tout. Je vais faire, oh, attends, c'est bon, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais. Attends, c'est pas fini, hein. Ouais, c'était quelqu'un ça ou c'était censé être une apparition Ah, fantomatique? c'était censé être quelqu'un. Ouais. Quelqu'un de vivant ou pas. Eh.
J'ai du mal avec ces genres de choses, j'ai du mal. Hein. Attends, j'ai du mal un peu. Attends un peu. J'ai du mal parce que je te fais le même montage, et je l'ai déjà fait sur la chaîne plusieurs fois pour déconner, hein. Je te fais le même montage très facilement. Tu filmes une scène à vide, tu refilmes la même scène avec toi qui passe devant, tu superposes les deux scènes, ouais, tu fais un masque, un effet de transparence, et je te fais la même chose, tu vois. C'est ça que je veux dire, quoi. J'ai un peu de mal, tu vois. Enfin, surtout que là, on voit bien la forme, on voit bien que c'est quelqu'un et tout, tu vois, c'est quand même bizarre. Et au fond, t'as une genre de lumière qui bouge tout au fond. Ah, 1:28 là ? Ouais, il y a eu une espèce de... Ouais, je sais pas, il y a une espèce de flash, mais je sais pas. Moi, je vous avoue que j'ai du mal un petit peu avec ces vidéos-là. Genre, tu vois bien quelqu'un, tu vois ce que je veux dire ? Qui passe en mode transparence devant la caméra. Voilà, quoi, tu vois. Ouais, c'est... Je crois au paranormal, tu vois. Mais je crois pas aux choses peut-être trop grosses non plus. Je sais pas. D'accord. Quoi que tu me diras, des fois, regarde... Comme on en parlait, on regardait Mystère à l'époque et tout, l'émission. Il y avait des trucs gros, c'était énorme. Ah oui. Il hein, y a des trucs énormes, gros. Ouais, c'est clair. Celle-ci, dubitatif. Ouais. Mais tu vois, c'est malheureux parce qu'à chaque vidéo, je risque d'être dubitatif, tu vois. Donc, y a pas de problème, t'inquiète. Hein. Après, faut voir. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je pense que c'est une vidéo qui... Moi, ce qui me fait penser que... c'est pas du fake, c'est que le mec, il a 3 abonnés, il a sorti cette vidéo en septembre 2019, elle a 74 vues, elle a un like, et elle a même pas de commentaires, je crois. Ouais, si elle 904-2019, ça a été filmé apparemment. C'est chelou quand même, hein. Tu sais, elle on dirait pas... quelqu'un qui vient, qui passe, et quelqu'un genre qui vient de se lever, ou tu sais... C'est ça. Genre qui passe après, en pyjama tranquille... Après, il y a l'histoire du mec qui veut faire le buzz et qui fait une vidéo, elle marche pas. Attends, parce que c'est vrai que regarde, tu vois quand même le truc qui arrive là. Voilà. Est-ce que c'est pas tout simplement quelqu'un qui passe devant sa caméra et que ça aurait bugué ou quoi ? Enfin, j'en sais rien, tu sais. Moi, après, je cherche des explications, tu vois. Mais oui, des fois, après, t'as des trucs, t'as pas d'explication. Je veux dire, au niveau du paranormal, il m'est jamais vraiment rien arrivé de ouf, tu vois, où j'ai toujours eu des explications, hormis mes crises de somnambulisme qui peuvent paraître paranormales, tu vois. Non, franchement, ça m'est déjà arrivé, genre, d'entendre... Genre de la vaisselle qui se casse la gueule à 3h du matin ou quoi, mais pour moi, c'est... pour moi, je pense, tu vois. Je pense que c'est assez vérifiable. Ça peut être, je sais pas, tu sais, des frictions du truc ou quoi. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ouais. Genre la vaisselle qui, petit à petit, se casse la gueule, j'en sais rien. Voilà. Ouais, je pense que ça arrive à tout le monde d'entendre des bruits de vaisselle qui se cassent la gueule dans les vies à 3h du matin, comme ça peut foutre les boules, tu vois. Mais... Dites-le-nous dans les commentaires. Ouais. Dites-le-nous dans les commentaires. Dites-nous vos expériences paranormales. Et peut-être qu'on pourra faire une vidéo suite à ça. On sait pas. Ça peut-être. Pourrait sympa, ça pourrait être très sympa, franchement. Hein. Ah, ok, d'accord. Je vois l'espèce d'orbe, là. Ouais, mais regarde. Elle est bizarre, quand même. Je croyais que c'était une poussière dans la lentille de la caméra, mais en ouais, fait... Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre parce que quand même, les autres, ils bougent pas, tu vois. Et celle-là, elle est plus foncée. Les autres, ils bougent pas, celle-là, elle est plus foncée. Après, bon, si on voudrait vraiment chercher une explication ou quoi, tu vois, on pourrait peut-être dire, ouais, c'est peut-être une condensation, une goutte d'eau qui glisse tout doucement sur la caméra. Ça pourrait être un phénomène météorologique rare, hein. Il en existe... Ouais, je sais pas. Elle est bizarre, hein, quand même, hein. C'est bizarre. Parce que tu vois, on voit des insectes passer, on voit bien la différence. Oui, hein. Oui, total. Total. Donc, c'est pour ça que... Tu vois, regarde, il y en a une autre à gauche ou quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Ou c'est un ballon peut-être avec un fil, le gars. Ah, c'est bizarre parce qu'il remonte et tout, tu vois. Ouais, je sais pas, c'est c'est chelou, quoi. Après, si on essayait de rester rationnel, vraiment, tu vois, on pourrait se dire que tu vois, c'est une goutte d'eau peut-être qui remonte aussi avec le vent, tu sais, le long de la caméra. Peut-être, hein, tu vois. Je sais pas, ouais. Tu sais, peut-être qu'il y a un peu de vent et tout. Tu te rends pas compte comme ça, de près, hein, au final. Hein. C'est ça, donc en fait, c'est pour ça que je te dis que je suis dubitatif, je suis à 50-50. Hein. Ouais. Je sais pas, celle-ci, pareil. Ouais, donc voilà. What the fuck, gros? Ouais. C'est quoi ça? Ouais, mais attends, c'est quoi, gros? Ouais, on la remet si tu veux, tu me dis... Je la remets, là? Vas-y, clac, clic. Je la remets. Mais c'est quoi ce bruit? Mais en fait, je pense qu'ils sont dans un hôpital.
abandonnée et c'est une entité, on appelle ça un EVP, Electronic Voice Paranormal, ou PVE, phénomène de voix électronique en français. Et En gros, je sais ce que c'est un EVP, mais attends, ça c'est un EVP puissance 12, ça, mon vieux. Et ce qui me fait dire que tu vois que c'est pas trop fake. Ouais. C'est que ça a 23 vues, quoi. Ça veut rien dire. Non, mais si. Ça veut rien dire. Ça a 23 vues. T'entends comment que ça gueule? Ah oui, j'entends comment ça gueule. Bien sûr que je l'entends. Et quand tu vas sur la chaîne de cet individu-là, ouais. Il fait des vidéos où il filme des gens. Il est en Inde ou je sais pas où. Donc c'est pas rien à voir avec ça en fait. Ouais. Donc, moi je pense que vraiment cette vidéo elle est authentique. Hein. Mais c'est on voit pas de fil. Après ouais, tu peux me dire ce que je me disais. Jean-Jean derrière avec sa canne à pêche et son moulinet qui tire le fauteuil, tu vois. C'est ça, mais on voit pas de fil. Après, bon, à la magie du montage, on peut faire tellement de choses que voilà, mais... Bah là la qualité de la vidéo, il y a un fil ou pas, tu le vois pas. Ouais. Même un gros fil à couture, même une corde, je suis sûr, avec cette qualité-là, tu la vois pas, mon vieux. même avec cette qualité, je prenais le fauteuil avec mon bras, je le tirais, tu voyais rien. En 144p, t'inquiète, ça passe crème. Non, franchement, ouais, celle-ci, elle fout les boules un petit peu, tu vois? Ouais. C'est vrai que niveau. Elle met un petit peu de frisson et tout, mais. Ouais, je sais pas. Je suis difficile à convaincre, je suis très difficile à convaincre, franchement. Je sais. Mais t'inquiète. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de fakes de partout, tu sais plus démystifier le vrai du faux, c'est ça le truc, tu vois? C'est ça. Voilà. Et pourtant, c'est des choses quand même. Tu vois, j'y crois quand même, tu vois, mais pas des trucs... un fantôme croisé sur la route, gros, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Il y a des choses extraterrestres dans le monde sur Terre. Mais de toute façon, enfin, je veux dire... Faudrait vraiment se prendre pour le centre de l'univers pour dire qu'il y a personne d'autre. C'est ça, non, mais parce que les gens pensent oxygène plus eau égale vie, mais s'il faut, le mec à 4 milliards d'années-lumière, il boit de l'hélium et il... Voilà, il s'acclimate. Moi, je pense, c'est sûr, gros, de toute façon, on n'est pas tout seul dans l'univers, quoi, tu vois. Non, on n'est pas tout seul. Voilà, quoi. Alors, au début, j'ai pensé que c'était peut-être une grue. C'est vrai qu'avec le brouillard, machin, nana, j'y ai pas pensé. Après, elle me paraît longue, elle me paraît très longue pour une grue, quand même. Ça paraît très, très long, regarde. Ah oui, non, mais là, c'est une grue de 400 mètres de long. Non, non, c'est pas une grue. Donc là, on dirait des lampadaires. Ça aurait pu, au début, quand j'ai vu le truc, tu vois, tu m'as dit une grue, j'ai fait, ah ouais, tu vois, j'y ai pas pensé, tu vois. On n'entend pas de drone. Hein. Un drone, ça s'entend. T'en conduis, tu sais ce que c'est, hein. On l'entend, le drone. Hein. Ça dépend à quelle hauteur tu te trouves. Mais là, c'est pas haut, là. Ça dépend. Il y en a 4, c'est pas haut. Le drone. Franchement. 70 mètres, tu l'entends plus. 70 mètres, tu l'entends plus. 70 mètres, c'est pas haut, hein. Oui, c'est pas haut. Hein. Tu le vois, le drone, 70 mètres, hein. Mais tu l'entends plus. C'est vraiment... C'est minime, quoi, tu vois. Voilà. Alors qu'en vrai, il est à côté de toi, ça fait un boucan d'enfer et tout. C'est ça. J'avais fait, moi, à l'époque, une vidéo... à l'époque, ça fait quoi? C'était l'année dernière, je crois. J'avais fait une vidéo sur les crop circles. Ouais, les crop circles, c'est... C'était anciennement à côté de chez moi et tout. J'avais tourné ça avec mon cousin et tout. Franchement, ouais, c'est lui qui m'avait montré ça et tout. C'était du côté de Sancerre. Il y en a qui sont faits par les humains et d'autres qui sont faits par... Ouais. C'était ouf quand même, hein. Voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, vous regardez, je crois que j'avais appelé la vidéo ma première fois avec des ovnis. Je l'avais appelé comme ça, tu vois. Et du coup, bah ouais, c'est ça, parce qu'on parle d'OVNI au final. Un crop circle, c'est quoi? C'est, je veux dire, dans le folklore, on va dire que c'est un OVNI qui se pose dans un champ et puis qui dessine une silhouette, tu vois. C'est ça. Ça pourrait être un message qu'ils nous transmettent. Hein. Et là, en fait... je dis le folklore. Non, c'est pas du folklore, c'est des croyants. Mais regarde, là, ouais, ça rebouge, là. Là, ça rebouge. Regarde ça, mon pote. Ouais. Regarde ça. Et là, tu vas me dire... Ouais, c'est bizarre quand même. Ça pourrait être une grue, hein, tu vois, mais plus ça se... Ouais, c'est long. C'est trop long quand tu la vois d'horizontale. C'est vraiment trop long, gros. C'est ça. Et surtout, c'est que ça, les boules se rejoignent à la fin pour en former qu'une. Mais c'est où, ça? C'est en Angleterre.
C'est en Angleterre? Ça a été filmé il y a le 28, donc il y a 2-3 jours. Là. Ouais. Voilà, tu vois, le mec zoom. Bon, la qualité est dégueulasse, c'est toujours pareil. Hein. Mais t'as pas un GH5 autour du cou, H24, hein, donc... Ouais, bah franchement, ce jour-là, j'aurais bien voulu qu'il l'ait, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais bien voulu qu'il l'ait, son GH5 autour du cou, tu vois. Parce que là, du coup... Voilà quoi. Elle est intrigante celle-ci. Ah oui, elle est plus qu'intrigante. Elle est intrigante celle-ci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis vraiment, si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez masse de commentaires et tout pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on reviendra avec Merlin sur une autre vidéo, bien sûr, à peu près sur le même sujet, pourquoi pas. Et allez vous abonner à la chaîne de Merlin parce qu'il va y avoir une vidéo totalement différente de celle-ci. Sur le même thème, mais avec des vidéos différentes. Et c'est moi qui lui prépare. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye. Salut Merlin.